Hey, what's up everybody, c'est des productions. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de ça. On transforme n'importe quel appareil son en appareil Bluetooth. Est un émetteur récepteur Bluetooth de chez AOK. Il est muni de plusieurs entrées, optique et jack, ainsi qu'une sortie jack et optique. Il vous permet de switch entre émetteur et récepteur ou en pass-through, histoire de recevoir et retranscrire directement le son. Connecté à n'importe quel de vos appareils, appareil son évidemment, vous allez pouvoir le rendre Bluetooth et compatible avec tous vos appareils Bluetooth. Vous pouvez coupler jusqu'à deux appareils en même temps en simultané dessus. Il vous permet, si vous êtes avec un ami qui est tard et que vous voulez parler chez vos voisins ou des gens qui dorment à côté de vous, on peut connecter deux casques ou deux écouteurs Bluetooth sur cet appareil et regarder votre meilleur film. Moi de mon côté, ayant un setup avec deux ordinateurs distincts, ça me paraît de connecter mon casque Bluetooth dessus et seulement d'appuyer sur la petite touche pour switch de source pour avoir le son sur un ordi et sur l'autre sans avoir à chaque fois à éteindre et reconnecter mon casque Bluetooth en le rallumant et en allant dans les paramètres Bluetooth de mon ordi pour le reconnecter dessus. Là où c'est le plus surprenant, c'est que pour son prix, ce petit appareil quand même permet d'avoir du aptX, c'est-à-dire que vous allez avoir une qualité de son avec une très faible latence et une qualité de son haute résolution. Ensuite, codec normal, il prend le USB-C, ce qui est un codec universel, donc tous les casques Bluetooth, tous les appareils Bluetooth de son vont être compatibles avec. Très design et avec définition plutôt propre pour le prix, il va se fondre facilement, je pense, dans n'importe quel setup. Il s'alimente seulement avec un petit port USB en 5 watts que vous pouvez mettre derrière un ordi ou sur une prise comme pour les chargeurs de téléphone. Ici, sur toute la surface supérieure, vous allez avoir des touches tactiles qui vont être rétroéclairées, ce qui vous permet, même dans le noir, de savoir ce que vous faites, avec une facilité d'utilisation, vraiment rien à dire sur ça. Là, pareil, c'est un produit de qualité pour le prix, surtout en occasion. Moi, je l'ai payé du coup 37 euros, il me semble, alors que normalement, il a 45 euros, si je dis pas n'importe quoi. Et vraiment, je pense que ça vaut son prix pour toute personne qui désire, par exemple, utiliser des grosses enceintes, mais qui ont 20 ans, qui du coup ne connaissent pas du tout la norme Bluetooth. Là, vous connectez ces enceintes en optique ou en jack dessus. Et ensuite, vous mettez votre musique via votre téléphone en Bluetooth directement. Pour résumer, ce produit, je le conseille vraiment pour tous ceux qui sont fans de son et qui veulent absolument pouvoir écouter ou diffuser leur son en Bluetooth via des appareils qui ne l'ont pas forcément. Par exemple, moi j'ai mon ordinateur qui fait Bluetooth, mais s'il ne le faisait pas, j'aurais quand même du son en Bluetooth avec. Et ça, c'est chouette. J'essaierai de vous mettre le lien en description, je trouve que c'est un produit qui est beau et qui est hyper utile pour évidemment tous ceux qui en ont l'utilité. En rapport qualité-prix, je pense qu'on est pas mal. Il n'y a vraiment aucun autre produit qui fait la même chose, en tout cas, j'en ai pas vu sur Amazon. C'est soit des récepteurs, soit que des émetteurs, mais aucun ne faisait les deux et aucun n'avait un esthétisme aussi excellent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux liker et partager, ou même t'abonner si t'es un fou. Hein. Je referai d'autres vidéos tests sur des produits high-tech où je vous donne mon avis, oui ou non, faut l'acheter ou pas, voilà. Sur ce les gars, c'est des productions, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.